Yeshua Tarabanim, je ne cite pas les noms pour ne pas passer du temps, je suis désolé de prendre d'abord la parole, parce que je ne suis pas moi, ni Raoul et Kach, ni rien du tout, mais comme Rav Saadia a beaucoup insisté, je me permets de dire deux mots. Bon, ce soir, évidemment, on va dire les raisons de nous réunir et de parler ne sont pas très compliquées, puisque d'un côté nous sommes 2 jours, 48 heures avant Yom Kippourim, Yom Magadol, Ve'anora, on va dire chez la Shana, et deuxième chose, nous sommes le soir de la Askara de Morenu Ve'Rabenu, Rabbi Meir Sebag, Alav HaShalom, Sheaya, qui était Rosh Yeshiva ici même, et évidemment Yeshiva Shel Torah, c'est l'essentiel de Zichronam Shel Tzadikim, donc les deux événements évidemment sont intimement liés. Ça montre très bien que le Rambam il dit, même si la tchouva elle est mekoubelet, elle est chashouva durant toute l'année, mais évidemment Yom Kippour c'est le jour mitzvat aseh de Oraita, que la mitzvat aseh c'est la tchouva. Et sans tchouva, chas v'chalila, c'est pire que si elle n'est pas Yom Kippour. Le Meshech Chochma très connu, il dit au nom du Gaon, le Gaon qui est connu lui-même, qui dit que atid liten din v'heshbon. Savons que le Gaon il dit, da lifne, voilà, c'est marqué là. Le Gaon très connu qui dit c'est quoi din, c'est quoi heshbon. Il dit que din, c'est arrête, c'est ma avera. Tu as dit du lachonara, tu as fait tel avera, tu as été mehalel shabbat, tu as peu importe. Là-dessus, il faut donner le din. Mais le heshbon, c'est quoi le heshbon? Le heshbon, il est alma sheita yachol asot bimkom ze. Ça veut dire qu'est-ce que tu aurais pu faire comme mitzvot dans ce temps-là que tu as passé à faire des averot? Qu'est-ce que tu aurais pu faire avec cet argent que tu as dépensé pour faire des averot? Avec l'énergie que tu as mis? Tout cela, c'est le heshbon. En général, comme dit le Meshech Chochma, en général le Cheshbon, il est en dessous du Din, mais des fois il peut même arriver au même niveau que le Din. Mais c'est rare que le Cheshbon, ça veut dire que le Chef Ve'al Ta'ase, ce que tu as fait en ne faisant pas des mitzvot, ça dépasse la Avera Ve'kum Ve'ase, ce que tu as fait avec les mains. Il dit sauf Yom Kippour. Yom Kippour, étant donné qu'avec un petit peu de Mahamad, un petit peu de Yigia, tu peux arriver à changer ta vie. À changer ta vie, à être zoché, l'école à Mechila, c'est-à-dire de toutes tes avonotes, tu peux arriver à des choses extraordinaires. Le Heshbon, il est terrible, parce qu'après Yom Kippour, à Filou, il y avait de quoi le Vayot, même s'il amène tous les corbanotes qu'il peut, ça ne sert plus à rien, c'est fini. C'est Hatima Tashi'ari, et puis c'est fini, terminé. Le Heshbon ici, il est 100 fois, 1000 fois plus important que le Din. Le Din, il se fait assez de Raïta. Celui qui m'a fait assez de Raïta, c'est pas encore le pire. Mais le Heshbon, c'est-à-dire ce que tu aurais pu gagner, il y avait des millions à gagner. Et il y avait des énormités à gagner ce jour-là. Et tu n'as pas fait tchouva à un moment, alors le Heshbon il est terrible. Il dit le jour de Yom Kippour, tu sais, merci à votre éloge. Ça veut dire que les cheveux se dressent sur la tête si on pense au Heshbon par rapport au Din. D'après le Pshat du Gaon de Vilna, le Heshbon de ce jour-là il est terrible. Le Rav Shmuel Auerbach, Shlita, il a écrit un livre, Oel Rahel, dans mon esoter. Et à l'intérieur il ramène Mashekatoub Sefer Hayetzira. Dans Sefer Hayetzira qui est Meyuhas Avraham Avinu, il est marqué là-bas qu'il y a 10 ma'amakim balev. Il y a 10 niveaux dans le cœur. 10 niveaux dans le cœur, on a 10 niveaux de compréhension de Bina. Comme ça il dit. Et au nom du Gaon et du Arizal, il écrit là-bas que le pirouche du Gaon et du Arizal, tous les deux ils ont écrit que le pirouche de ce 10 ma'amakim balev, c'est Keneged Asarat Yemet Tshuva. Que pendant les 10 jours de Tshuva, chaque jour, alors on est égalé, on dévoile alors encore un niveau de Amkut Balev. Chaque jour. Chaque jour. Arrive le jour de Yom Kippour, qui est le 10e jour de la Aseret Yemei Teshuva, et on arrive Ad Tartit Ad Omek Alev. On arrive pour celui qui s'est préparé, évidemment, pour celui qui part jusqu'au Omek Asiri. Omek Asiri, je veux dire. Et il dit là-bas, au nom du Gaon, que le Ikar du Lev, c'est la Bina. C'est la Bina. C'est marqué dans le passé. Le pasouk que la Gemara dans Megillah ramène pour le seder des brachot, pourquoi est-ce que dans le Shmoneh Esrei on fait d'abord la bracha sur le da'at, et ensuite la bracha sur la tchouva? La Gemara dit pourquoi est-ce qu'on a mis la tchouva après la bina? Parce que si je ne comprends pas, celui qui n'a pas de bina, celui qui ne comprend pas, il n'y a aucune tchouva à faire. Celui qui dit moi, je n'ai pas fait d'avera. Celui qui n'étudie pas la Torah, il ne pourra jamais faire tchouva véritablement. Pourquoi? Il ne sait même pas qu'il fait des avérotes. On lui dit, tu dois faire tchouva. De quoi tchouva? J'ai rien à me reprocher. Expression très connue en France. Je n'ai rien à me reprocher.
Évidemment, d'abord étudie la Torah, étudie le Chod Shabbat et tu vas savoir ce que tu ne fais pas. Sinon, si tu n'étudies pas la Torah, tu ne sais pas ce que tu fais. Il croit qu'il fait qu'il douche, il fait la sieste, il fait les Shomer Shabbat. La Shonara, le Chafetz Chaim, il écrit, celui qui ne dit pas la Chod de la Shonara, il ne sait pas, à chaque chose que tu lui dis, quoi, tu parles de ça, il te dit, non, là, ça, ce n'est pas la Shonara. Ça, c'est la vérité. Ou bien, dans mon cœur, non, dans mon cœur, ça va. Etc, etc. C'est avec des paroles, il va te dire, c'est avec des paroles. La Shonara, oui, c'est avec des paroles, bien sûr. Et ainsi de suite, et ainsi de suite. Il faut de la bina. Sans bina, il n'y a pas de tchouva. On parle de Rav Meir Souban, Rav Hashanah. Rav Meir, le da'at koulam, shi'ikiru oto mikarov mirahok. Il avait quelque chose de particulier dans la vie. C'était un ben Torah amiti. Voilà, c'était un ben Torah amiti. Celui qui voulait un ben Torah amiti, voir ce que c'est un ben Torah amiti. Israël, asher bechaï pa'al. Un juif complet, au sens noble du terme. Avec la Torah qui est incarnée, Hachamim il dit dans ma côte, on sait, les types Sha'el et Ameh Aratzot, ils se lèvent devant un Sefer Torah, mais ils ne se lèvent pas devant Tamit Hacham, c'est des types Shi. Pourquoi? Parce qu'un Sefer Torah, il est Mounah Ba'alon, il est pas haï, il ne marche pas, il ne mange pas, il ne respire pas. Mais un Tamit Hacham, c'est un Sefer Torah, mais Alech. Un Tamit Hacham, c'est un Sefer Torah vivant, c'est un Sefer Torah qui mange, qui boit, qui respire, et qui vit la Torah. Rabbi Meir, c'était un. בבחינת ספר תורה מהלך, בבחינת ספר תורה מהלך. רבי יוסף, שיבדל לחיים juste avant, le peu que j'ai entendu, il a dit que dans toutes les couches de la société, ils avaient quelque chose à apprendre de Rabbi Meir. Il a dit de toutes les sociétés du monde religieux, j'ajouterais qu'on peut enlever religieux. On peut enlever religieux, ouais, d'accord. On peut enlever religieux. Il y a même des non-juifs sont venus me voir et qui m'ont dit, vous savez, on avait des relations avec le rabbin Meir Sebag pour des conseils de la vie, pour des conseils de choses. Qui douche Shem Shamayim. Qui douche Shemaim, Bifnim, Bahouz, à l'intérieur, à l'extérieur. Avec les Bnei Torah, il avait une siha et un langage. Et avec les Baal Batim, il avait un langage et une siha. Et avec les gens loin, avec les gens proches. Ça, c'est le juif par excellence. Ça, c'est le Israël, Asher Bechaït Pa'ar. Asher Bechaït Pa'ar par excellence. Et c'est une dougma pour nous. C'est une dougma pour nous. Autour de nous, alors on a des gens. Mais comme j'ai dit un peu Shabbat, je m'excuse, peut-être je me répéterai un petit peu pour ceux qui ont déjà. Et c'est pas grave, il y a un couché inconnu du Ramban, du Rahim Akadosh qui disent, et je vais l'arranger un petit peu de ma manière, est-ce qu'il y a une mitzvah le jour de Yom Kippour? Il y a une incompréhension. Allez, la Gemara dans Brachot, elle dit, celui qui dit Modim, Modim, Meshat Kimoto. Celui qui dit Shema, Shema, alors la Gemara dans le Roushami est très dure, elle dit, Mefatsim et Moho, pourquoi? Nira ki Avodazara ki Shte Rishuyot, c'est comme si Hasbe Shalom tu t'adresses à deux adresses. Quand tu passes dans la rue et qu'il y a un endroit de Avodazara, change de trottoir. C'est harem, harem tahalim. Comme elle dit la Gemara, même si la Abdazara tu l'as changé, tu as acheté autre chose, avec ce que tu as acheté, tu as changé, t'en fais cette dama. Pourquoi? Parce que harem, tout ce qui est Abdazara, il faut s'en écarter le plus possible. Et là, le jour de Yom Kippour, tout le clan d'Israël, il est là, au Beit Hamikdash. C'est le Yom le plus kadosh, dans l'endroit le plus kadosh, Kohen Gadol, Mishponet Gadav, etc. Tout le Seder, une mitzvah étonnante. Parashat Haremot, Velakah HaKohen, Shene Se'irim. Deux Se'irim, et comme elle dit la Mishnah, Shene Se'irim, Shelim HaKippurim. Il faut qu'ils soient chavim. Bekoma, bemar'e, bekoma, bedamim, belekihatam ke echad. Autrement dit, ils doivent être identiques. Deux se'irim identiques. Goral, se'ir echad l'Hashem, se'ir echad l'Azazel. Hamana l'Islam. C'est quoi ça? C'est comme si Chazvera vous disait un korban pour Hashem et un korban pour Azazel. Le Erez Gezera. Le Ramban il dit, je comprends pas cette mitzvah. Le Rahim Akadosh il dit, comment on peut dire une chose pareille si c'était pas la Torah qui avait écrit ça? Celui qui nous aurait dit une chose pareille aurait dit même un jour de l'année simple, le jour de Yom Kippour, Shene Se'irim Shavim. Je sais que le Beit HaLevi ramène dans cette Drushim, le Beit HaLevi dans Drush Gimel, il ramène là-bas à propos du pasouk de Rivka, elle dit à son fils, à Yaakov, viens ici, vas-y chercher Shnei Gdaï Izim, Shnei Gdaï Shetovim, c'est marqué Shnei Gdaï Izim Tovim. Chazal ils disent Tovim Lecha, Vetovim Lebanecha, Tovim Lecha, She'alehem. Ils sont bien pour toi parce que tu vas recevoir les brachot. Et on n'a pas le temps évidemment de développer l'histoire. Mais le Rahim Akadosh et le Ramban, ils vont tous les deux dans le même sens. Et ils disent que c'est comme on fait taire le Satan. On jette quelque chose au Satan pour lui dire toi, tiens, tais-toi, ne sois pas mes quatre règles le jour en question. Comme Maïm Haronim, c'est marqué dans les Sfarim. Moi j'ai dit, je comprends pas. Le chien, quand on lui donne un os pour qu'il ne pas qu'il aboie, on lui lance un os.
On n'a pas vu quelqu'un qui prépare un plat, deux plats identiques, un pour le maître et un pour le chien pour ne pas qu'il aboie. Ah, au maître, on donne un plat bien comme il faut et le chien, on lui jette un os. Mais là, Shnei Se'irim, Shavim, Gzalat HaKatuv, Shavim, Shavim Bedamim, Shavim Bemar'e. Ça veut dire jusqu'au dernier moment, personne ne sait lequel il va être Korban, lequel il va, pas, il va être d'autre côté. Il faut le Goral, et c'est la seule fois qu'on trouve dans le Humash. Dans le Humash, je parle, pas dans le Nach, le Goral, Meforash. Qu'est-ce que c'est ça? C'est quoi cette histoire-là? Alors, le Rambam dit saute Baldavar, et il dit Loyakon le Farish Yoter. Qu'est-ce qu'on va dire? Loyakon le Farish Yoter, donc on ne connaît pas la suite. Mais il nous faut au moins un petit peu pour comprendre, évidemment. Si eux, ils ont dit ça derrière, on ne va pas venir expliquer. Une petite Nekouda. On m'a dit que c'est déjà écrit dans les livres, peu importe. Mais une petite Nekouda, c'est que ce Olam, c'est Alma de Shikra. C'est Alma Shikra. C'est le Shikra et les Cholettes, dans tout. Dans tout, la mode et pas la mode, et les modèles, et les histoires, et les... tout, shaker. On vit dans un monde chic de shaker mohlat. Olam Ha'emet, c'est Adma Ve'esrim Shana. Olam Ha'emet. Il n'y a pas ici de Emet. Ici, on travaille un petit peu le maximum de Emet qu'on peut. Taher, c'est le summum de la tfila, c'est Taher Libem ou l'Avdecha Ve'emet. Hachem, purifie notre cœur pour qu'on puisse travailler Emet. Mais c'est une tfila, c'est Begader tfila, c'est Begader Mitkarev. Mais ce Olam, c'est Olam de shaker. Tout est shaker, malheureusement. Alma de Shikra, profondément dans le Shikra. Alma de Shikra. Le Beth Amikdash, il est marqué qu'au Beth Amikdash, ça c'était un îlot, on va dire, de Emet dans ce Olam HaShikra. C'était un îlot. Voilà pourquoi, le jour de Yom Kippour, on pouvait dire Baruch Shem Kevot, durant toute l'année, pardon, on pouvait dire Baruch Shem Kevot, l'Olam Va'ed à voix haute. Toute l'année, on le dit à voix basse, parce qu'on ne le voit pas. Mais maintenant, on ne voit pas. Et évidemment, c'est Emet et c'est Ehad, mais on ne peut pas le dire à voix haute. On le dit Behashai. Au Beth Amikdash, c'était le makom du Emet, on pouvait dire toute l'année, Baruch Shem Kedamotan à voix haute. Et nous, en dehors, sans Beth Amikdash, le jour de Yom Kippour, il faut y aller. Le Midrash, il dit, Masha, le tour, il ramène ça, il ramène Machal et Ma d'avoir dormé. Il dit, Machal a dormi à quelqu'un hein, qui travaillait au palais royal. Il a volé une bague. Il a volé un diamant avec une bague. Il a dit à sa femme, je t'ai amené une bague. Quand elle a voulu la mettre dehors, elle a dit, non, pas dehors. Dehors, non. À l'intérieur, à la maison, tu peux la mettre, mais dehors, tu ne peux pas la mettre. Une fois par an, le roi, il donnait la possibilité à tous les ministres et à tous les employés de la chancellerie, on va dire, de pouvoir emprunter des bijoux, des trésors royaux, ce jour-là. Alors elle a voulu le cacher quand elle a voulu, il a dit, aujourd'hui, tu peux la mettre dehors. Aujourd'hui, ça marche. Parce qu'aujourd'hui, on ne saura pas pour te cocher un voleur. Comme ça, il dit le Midrash, toute l'année. Alors on dit à voix basse, parce qu'on l'a volé au Malachim. Il est monté, Moshe Rabbeinu Mont Sinaï, il a entendu le Malachim, Baruch Shem Kevot Hotel, alors arrête, il l'a volé. Mais quand il a voulu le dire, ici en bas, on est des voleurs. On vit dans un Olam HaShekher, on ne peut pas prendre quelque chose de Olam HaEmet et l'utiliser ici. Mais Yom Kippour, on est comme des Malachim. Alors là, vous pouvez aller. Allez, on peut le dire à voix haute. Parce que là, on est comme des Malachim, donc en haut et en bas, kif-kif. C'est pareil. On met un Mikdash, même chose. Olam HaShekher, c'est le Olam HaShekher. Alors, on ne va pas rentrer dans Yaakov et Esav, que c'était le Emet et le Shekher. Mais qu'est-ce qui est de spécial, le Emet et le Shekher? Il y a eu une Ekouda terrible à dire. Mais il est vrai. Yaakov et Esav, il est marqué dans le Midrash que Machal et Maad avaient domé les Hadas et Itzbonit. Hadas et Itzbonit, c'est deux plantes qui se ressemblent incroyablement. Il dit le Midrash Kol Od Shem Ktanim, et Adam Omed Al-Tivan. Personne, même le spécialiste de l'agronomie, de la quelque chose, il regarde les deux, il ne peut pas te dire lequel c'est Hadas, lequel c'est Itzbonit, tellement elles se ressemblent. Que Shem Gotlim, que Shem Tsomhim, quand ils grandissent, Zeyotze le Reho. Il y en a un qui donne une odeur agréable, celui-là c'est le Hadas. L'autre il donne des épines qui piquent, celui-là c'est le Itzbon. Ainsi était Yaakov et Esav. Toute leur genèse, Vaïk Deloa Ne'arim, dit le Midrash, sur le Passouk, Vaïk Deloa Ne'arim, tout le temps qu'ils étaient ktanim, ils étaient identiques. C'est deux jumeaux. C'est pas comme Yitzhak et Ishmael, avec deux mères différentes. C'est pas comme deux frères, mais deux grossesses différentes. Non, non, deux frères jumeaux, complètement de la même grossesse. Impossible de distinguer. Comment impossible de distinguer? Hazal nous dit, va y être trop de tzetsu, mais à Bekirba, à Bani Bekirba, quand elle passait devant un Beth Midrash, celui-là il bougeait, quand elle passait devant Dozar, donc c'était déjà une différence, mais on ne voyait pas la différence, c'était bifni. Au point où, Yitzhak avec nous, il ne voit pas, c'est marqué dans le verset, va y craver Esav, Beno Agadol. Rivka, elle a appelé son fils et lui a dit, toi tu vas prendre des brachot. On ne va pas rentrer dans le détail, mais Yaakov et Esav, c'est le Emet et le Sheker, et ils sont jumeaux. C'est le Emet et le Sheker. Le Emet par excellence, si tu as l'Emet, Yaakov, c'est Yaakov Avinu. Le Sheker par excellence, Esav. Shav Shebarati Be'olami. Le Shav Shebarati Be'olami, c'est Esav. Et ils sont frères jumeaux, du même père et de la même mère. C'est ça le koach du Emet et du Sheker. La Ga'ava et la Anava, c'est deux midotes opposées.
la savlanoute et le caras, deux midotes opposées. Mais on voit tout de suite un gavtan, on voit tout de suite un anaf, plus ou moins, etc. Le emet et le sheker, c'est les deux midotes qui sont le plus opposés possible et qui se ressemblent le plus possible. Il y a la Gemara dit, mais Hodou va à Kouch. Hodou et Kouch, c'est deux extrémités, mais c'est deux villes qui sont voisines. Pourquoi? Parce que si tu passes de l'autre côté du globe, ben c'est les plus éloignés. Le sheker, il ne s'annonce pas, monsieur sheker, sinon c'est le emet. Il n'y a pas plus Emet que celui qui est Sheker qui dit je suis chakran. Celui-là, c'est un mythique, celui-là. Mais le Sheker, il se présente, monsieur Emet. Eh bien oui, le problème dans ce rôle-là, c'est que le Emet, on ne le voit pas tout de suite. Des fois, il y a quelqu'un qui nous paraît Sheker, il faut creuser pour voir si lui le Emet. Et l'autre, il est cool le Sheker, et il se présente comme monsieur Emet. Tout le monde croit que c'est le Emet. Et il faut travailler pour se rendre compte que c'est le Sheker. Le Sheker et le Emet sont des frères jumeaux. Voilà ce qui est marqué ici. Le Emet et le Sheker sont chavim. Comme les Chinek d'Aïrizim, comme Yaakov Esav, comme les Chinek Se'irim, mais la carte Chinek Se'irim. Toute l'année, on joue. Toute l'année, on joue. On est dans le monde du Sheker et on joue. La cravate, elle a changé. Nous aussi, on change la cravate. La mode, elle a changé. Le modèle de voiture. Et vas-y. On essaye le plus possible dans la Torah, etc., de rester fidèle à notre mitzvah. Mais malheureusement, on vit dans un monde de Sheker. Et des fois, on te dit, il faut vivre avec son monde, il faut vivre avec ça en son époque. Et la chauffette à Chérie, il faut vivre avec son époque. Et donc, malheureusement, nous aussi. On est passé au portable, on est passé là, et on continue, et vas-y. Et ainsi de suite. Chaque petite bêtise, on prend nous, Baruch Hashem, un peu de retard, et on fait un moins de mesure. Mais sauf, on est teinté, disent. Le Hatim, non, notel merecho, la main, disent Hachabim. Ça veut dire que quand ça passe, alors ça déteint sur nous. Alors on joue, malheureusement, on joue. Pendant l'année, on joue. Et il arrive un moment dans lequel, quand je nous dit, vous savez, mais Yom Kippour, ça, là il faut choisir où tu appartiens. Ou bien tu appartiens cool au Korban Lachem, ou bien tu appartiens à Hasbe Halila à l'autre côté. Mais la Karchene c'est Irim. Et jusqu'au dernier moment, on ne sait pas lequel c'est le Emet. Et on ne sait pas lequel c'est cool au Sheker. Le Goran il va fixer. Il va dire il y en a un pour Hachem au Bet Amikdash, et l'autre il est Eretz Gezera. Et là il faut savoir qu'il arrive un moment dans la vie, voilà ce qu'on voulait apprendre à Yom Kippour, dans lequel on ne peut pas continuer à jouer. Là il faut choisir ton camp. Ou bien tu appartiens au Emet Kulo. Ou bien tu appartiens à Hasbe Khalida de l'autre côté. Voilà ce qu'il y a. Donc ce n'est pas Hasbe Khalida du tout un korban. C'est le néant. C'est le néant. Mais attention, apprends à distinguer le Emet du pas du Emet. Et apprends à être machnis qu'il y a le Emet et il faut travailler pour savoir le Emet. Et de l'autre côté, nous on n'a rien qu'un seul derech. On n'a rien qu'un seul korban. Rien qu'un seul korban Hachem. Mais c'est uniquement. Mais il faut savoir que le Sheker est sur nous. Rabbi Meir, pour en revenir à Rabbi Meir. C'était un exemple de Emet. Il n'y avait pas celui de Heshbonot. Qu'est-ce qu'il va penser de moi? Qu'est-ce qu'il va dire l'autre? Qu'est-ce qu'il va faire? Il pensait quelque chose, il le dit fort. Et s'il a un reproche à te faire, il te le fera. Il te le fera, comme il m'en a fait moi aussi. Et comme il peut en faire à différentes personnes. Et quand il pense quelque chose qui ne va pas plaire, on le dit quand même parce que je ne cherche pas à plaire. Parce que s'il voulait plaire, il aurait plu. Beaucoup plus que d'autres. Il avait de quoi plaire, pour le cacher. Sur beaucoup de choses. Et il disait non. Moi, je me souviens. Le coucher de Rabbi Kiveger qui était tellement cher à ses yeux, Rabbi Kiveger. Et donc il disait à Rabbi Kiveger, j'ai dit comme ça. Mais c'est pas l'on est back, l'on a run. Alors c'est faux. Il faut dire que c'est faux, je me suis trompé uniquement à Zibou. N'essaye pas d'arranger les broches, comme on dit aujourd'hui. Arranger un petit peu, mettre un petit peu de couleur, ajouter un petit Zibou et ça passe. Non, ça c'est pas. Ça c'est de Al-Bahra de Shikra. Il y en a qui dans ce monde-là, ils sont déjà le représentatif du Emet. Yaakov. Il était lui le Emet dans ce monde. Ba'ola Mazé, j'ai le Sheker. Yaakov c'était le Emet. Voilà pourquoi Temunato Hakuka, Tahat Kisi Akavot. C'est ça, c'est son image qui est fixée sous le trône céleste. Voilà ce qu'il y a. Et donc, la veille de Yom Kippour, c'est pas pour rien. On va dire qu'on se réunit pour parler de Rabbi Meir, la veille de Yom Kippour. Parce que la veille de Yom Kippour, ça veut dire les Taher, les Fnei Hashem Titharu. À part la Kapara, à part la Sliha, à part tout ce qu'on connaît, la Mehila qu'on demande à Hashem, mais le Ikar de la Mitzvah, il ne faut pas l'oublier. Les Fnei Hashem Titharu, qu'on doit se purifier quelque chose. Mais si tu as fait Vidouille, et tu as fait Tchouva, et les Fnei Hashem Titharu, où est-ce qu'il est le Hasé? Tu l'as compris. Et ça, il n'y a pas de quelque chose qui est quantifié et qui est formé dans quelque part avec un saïd, voilà ce qu'il faut faire. Non, ça c'est toi, tu sais où tu es. Et finalement, HM Titaharu. Mais je finirai avec une phrase. Avec celle que les Sfaradim, je sais que dans le monde ashkenaz, ce n'est pas le même ordre. Mais chez les Sfaradim, quand on dit le Avinu Malkenu, alors on finit par Avinu Malkenu, Al Teshivenu Rekam Nilefanecha.
et ceux qui ont connu les hachamim de l'Afrique du Nord, etc., ils disaient ça avec beaucoup de kavana. Je me souviens des hachamim, je vois encore jusqu'à aujourd'hui Rabbi Nissim Amselem Shlita, chez Yahya en Eretz Israël, qui est un vieux, etc. Et avec des larmes, il dit ça. Ce Avinu Malkeinu, au début, je ne comprenais pas. Qu'est-ce qu'il a pleuré aux huiles? Il y en a pour la Pardassa, il crie beaucoup plus fort. Il y en a pour Refa'enu, il crie plus fort. Mais Al-Teshivenu Rekam, il est qu'est-ce qu'il a pleuré? Et quand on voit dans les Sfarim, alors on voit que c'est le Ikab, c'est le Ikab. C'est que Hasbi Halilah. Que tout ne se termine pas. Bientôt, Motsa et Shabbat, on aura fini les 40 jours de travail. Eslihot, etc. Ah bon, Oshka, Osha, Anaraba, tout ce qu'on veut, mais je vais dire Piaf, on a fini les 40 jours. Qu'on sorte avec quelque chose. Que tu ne sors pas, Hasbi Halilah, on lève un vide. On a essayé de vos Slihot. Et on a crié, et on a fait, et on s'est levé, on a jeûné. Et je me suis retrouvé au même stade, à la case départ. C'est Rahamana Gitzna. Un ben Torah par définition, c'est ça. C'est que c'est comme les escaliers. Chaque année, comme il dit Rav Sal Inter, chaque année, pendant Elul, tu montes. Et c'est l'année suivante, elle est comme le Elul de l'année précédente. Et l'année d'après, il y a encore un escalier. Et l'année d'après, il y a encore un escalier. Si chaque année, tu avances par rapport au Elul précédent, ben, chaque Elul devient l'année normale. Et chaque Elul de l'année suivante, ça monte. Alors là, il y a quelque chose. Mais sinon, regardez une petite chose de rien du tout. Al-Teshivenu Rekam, il est fanecha. Il est marqué dans le Gaon de Vilna, au nom du Gaon et du Arizal, en tout cas, que quand l'homme il arrive, mais avec Esrim dans là-haut, alors on fait le Hajbon, mitzvot, averot, etc. Mais après on enlève tout ce qui est stam, mitzvot, anashim, melumada, tout ce qui est imitation, et tout ce qui est par mécanisme, et tout ce qui est par robotisme. Pas que ça va être rien, mais ça va être considéré complètement différent. Ce que tu es toi, c'est ce que tu as fait Belev. Le Arizal, il rajoute le Arizal Bessimha. Ce que tu as fait Bessimha. Parce que d'abord, ce que tu as fait Bessimha, on enlève. C'est grave ça. Mais même sans cette Hosafa du Arizal, il dit là-bas tout ce que tu as fait par imitation et par habitude, etc., on l'enlève. Alors moi je me dis, Rahamana Gitzna. Prenons une mitzvah, pour parler un peu les maasé, une mitzvah petite. On fait 100 brachot par jour. Celui qui mange avec bracha, qui fait sa tefila, etc., on fait mais à brachot bechol yom. Alors combien de brachot par an? 36 500. Il faut multiplier par 365. L'année solaire, on va dire. Ça fait 36 500 brachot par an. Ça veut dire, là, on arrive à Rosh Hashanah ou Yom Kippour, on va te comptabiliser 36 500 brachot au minimum. Et si en plus tu prends là, à droite, à gauche, des petites choses, alors c'est en plus. Mais déjà, mais à brachot, 36 500 brachot. Et c'est quoi une bracha? Bracha, c'est extraordinaire. C'est une déclaration de Emouna, une déclaration de Malchut, Baruch Atah Hashem, Mekor Abrachot Kulam, El Odmi Levado, Elokeinu Melech Haolam. Tout ce qu'on peut imaginer dans une bracha. Et ensuite, tout a été créé par ta parole, et ensuite tout le reste. C'est incroyable, rien que ça déjà. C'est incroyable. 36 500 déclarations de l'Emouna et de Hoda'a Hashem, etc. par an. Alors maintenant, on va enlever les brachot que tu dis sans kavana. Je parle de moi. On va enlever les brachot que tu dis sans kavana. On va garder ce que tu dis avec kavana. Et avec simha. Et ça va devenir squelettique. Ça veut dire, ça va devenir. Eh oui, je parle de moi. Les tefilotes, combien de tefilotes on dit par an? On dit 1100 tefilotes par an. 1100 tefilotes par an, c'est un poids énorme. C'est un poids énorme, 1100 fois par an. Je suis présent devant Borei Olam, Omed Lifnei Hashem, Vedar Lifnei Metan. C'est extraordinaire, mais on va enlever juste les tefilotes pendant lesquelles tu as pensé à autre chose. Et faut anachnu omdi. Je vois, monsieur Yach, il est déjà un petit peu... Je ne suis pas venu pour vous, Hasbi Shalom, pour nous. Même celui qui fait un... Alors quoi? On se rappelle toujours de ce que vous a dit Rav Israël Salinter, etc., que même si tu fais un progrès sur une chose, tu fais un progrès pour l'année prochaine, ça y est, tu passes déjà au kippour des méchants. Ne serait-ce que des petites choses comme ça. Et attention, malheureusement, le Rizal, il rajoute aussi, en tout cas en son nom, on dit, si nos Averot aussi elles étaient squelettiques, et sans Kavana, et sans Achana, et sans Itlahavut, alors au moins, ça s'équilibre. Mais quand tu fais, c'est rare que tu dises une chose, tu penses à autre chose. C'est rare que tu fasses, eh oui, c'est rare que tu fasses une Avera, Et que c'est sans simha et sans etc. C'est rare. Ça veut dire les averot, malheureusement, elles sont chmenotes. Elles sont bien, avec tous les ingrédients. Et tes mitzvot, il en manque un petit peu de quelque chose. Attention, ça veut dire ça. Rien que ça doit vous faire réfléchir. Yiratzon, Shakur Itel Lanu Hatima Tova, Ve'er Hashim Barach, Ke Zchuto, Sh'Rabim Eil Ya'amod Lamakom Hazeh Hakadosh, Ve'she Nizkeh Le'Arbitz Torah Ve'Yisrael, Ve'kon Shana Shel Tova, Shana Shel Parnasa, Shana Shel Alivat Torah Ve'Yirat Shamayim, Ve'nizkeh Le'Hatima Tova, Ve'vorech Et Kol Am Yisrael.